Bien, bonjour tout le monde, ici le commandant Cocktail qui vous parle, toujours accompagné du commandant Shinobi. Bonsoir, commandant Shinobi. Bonsoir. Comment vas-tu? Ah, ça va, ça va, ça va, ça va. Et aujourd'hui, ça faisait, allez, je sais pas, 2 3 semaines que vous en aviez pas vu, du Mass Effect et waouh, alors il y a des problèmes logiciels, waouh. Bon, bref, du Mass Effect 2, la suite, enfin. Et on s'est mis d'accord, on C'est va quoi cette faire. zone du vaisseau? Nous Non, mais sommes dans Idéa, les je veux pas te appartements de parler. l'officier Méchante supérieur. Idéa! C'est Méchante! plus grand que sur les autres bâtiments. Idéa, ta gueule! Va Conçu plutôt par vérifier Severus, ce notre que Joker il alliance, regarde sur les la quartiers de toilette. Non, mais. l'équipage favorisent le Parce que, hein. bien-être. On a eu des idées de... on a eu des images de pop-up porno sur Internet. Ça, c'est encore Joker, hein. De toute façon, il n'y a que lui. Et on s'est mis d'accord, on va faire la mission de loyauté de notre petit Grant, du fils de Shepard, en quelque Parce sorte. qu'on veut de l'épicness, on veut que ça se tape dessus. Et rien tel qu'un Krogan pour ça. En effet. Bon, perso, je préfère Vrax, mais bon, Grunt, il fait l'affaire aussi. Vrax, soit pour. C'est mon avis personnel, écoute. Par contre, ouais, c'est monté là, Grunt. Alors, mon petit Grunt. Chambers m'a averti que vous étiez en train de tout saccager. Un problème? Je me sens mal dans ma peau, Shepard. Nerveux. J'ai envie de tuer. Amon, Ouais, il a mais ses règles, Krogan. plus que d'habitude. Comme si je n'avais pas le choix. Comme si je voulais. Je ne Me sais lance pas dans pas. le sujet des règles. Grunt! Ah, vous voyez? T'as un grunt, tu Qu'est-ce fais qui. C'est pas chier, toi qui quoi, vas la payer les carrosserie? réparations, bordel! Ah! Tant pis. Bon. Là, vous voyez, qu'est-ce qui me prend? Tant pis, pour rembourser, on mettra. Je sais pas. On mettra Kelly au Paul Dance et puis voilà. On utilisera l'argent des abonnés? Vous êtes un Krogan. Un Krogan pur doit être plus agressif que la moyenne. Ça ne me paraît pas particulièrement Oh. surprenant. Normal ou pas, peu importe. Moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas habitué à ce bruit. Je veux me À ce contrôler. bruit. Quand on avance, quand on se bat, je suis concentré. Mais ici, mon sang hurle, mes plaques me démangent, et même vous, vous n'êtes que du bruit. C'est une insulte? Je suis né en cuve. Qu'est-ce qui m'arrive? Je sais pas. Dans les halls du vaisseau, il faut la vie d'un Krogan. Allez voir le toubib. Y a qu'à demander au wiki du vaisseau, écoute. Hein. Oui, je considère l'idée comme un wiki. Moi, je dis rien de tel qu'un Krogan pour savoir Ouais, ce qui se parfois. passe à un Je Krogan. ne sais pas ce qu'on peut faire, Grunt. Il faudrait qu'on aille en parler à quelqu'un de votre Rex! espèce. La plupart des Krogan hors monde sont Ouais, voilà, malheureux. c'est... Ils Vrax, ne revendiquent ramène! pas notre planète d'origine. Pas en pétant la Nous ne coque, sommes s'il te plus là. plaît. Je ne peux pas vous demander d'y aller. Je vais me contrôler. En fait, il a eu de la... on a eu de la chance qu'ils veulent frapper que cette fenêtre-là. Hein. Moi, tu te Arrête de frapper bras. les fenêtres Ah, tu te extérieures. souviens quand il nous avait chargé, hein? Quand on l'avait libéré de la cuve, hein? Aïe. Ouais, mais je te rappelle que s'il pète une vitre extérieure, c'est Ah oui, bon. dépressurisation et on meurt tous. C'est vrai que. Ça Voilà. a posé un petit problème. Accessoire. Bon. Je ne peux pas. Allons sur tout, Joker. Joker peut nous amener sur Il est Tuchanka. hors de J'ai besoin question que que tu tous mes coéquipiers soient morts. fasses. Merci, Shepard. Tout ça ne Celle me qui plaît doit tout pas. faire péter Je veux ici, c'est péter mes moi! propres Si tu veux choix, péter quelque pas chose, par t'auras qu'à contrôle. péter Jack. Hein. Au pire, hein. Enfin, quand on l'aura recruté. Si on la recrute un jour. Ben, les gens, Non, il le est pas encore. pétasse. Non, Oui. je comprends pas. Ah si, on a son... Ah si. Jack aimerait s'entretenir avec vous. On va peut-être pas lui parler tout de suite. J'ai rien dit, je me tais. Oui, dame, bien dame. Voilà, ta gueule. Commandant, Mordine demande à vous parler. Attends, la Le mission de TP2. Mordine, je crois que c'est sur Tuchanka aussi.
bat les couilles d'une mission par... où est-ce qu'on est par contre par l'Asgard, là, si on commence à... Quoi les cosmes dit parce que là, pour vous donner une idée, ça doit faire un peu plus d'un mois qu'on n'y a pas touché. Réserve de carburant épuisée donc, à 50%. Au pire, il y aura le précédent qui vous aidera. Précédemment, je crois qu'on avait fait la... C'est ça, on avait fait la mission à... Black Hill, Black Ops, Jacob. Hein? Ouais. Ah oui, avec son père et tout, ah oui. Le père qui avait... Je crois, si je dis peu de conneries. Au pire, si on dit des conneries, il y en a un qui va... Pardon, excusez-moi, j'avais envie de tousser. Oh non, mais je pense à une personne en particulier. Soit dans les commentaires, soit sur Twitter, il va réagir. Oui, tel que je le connais, vu comme une femme de Mass Effect, je pense pas qu'il va nous laisser dire une connerie. Et pas de s'achever. Encore toi. Mais on ne te prévient, gamin. Encore toi, t'as pas son Steam, toi tu joues pas avec. Hein. Modifie apparence. Non, en clair, tu passes du blanc au jaune, quoi. Ta tenue est un peu plus foncée. Non, c'est juste. Accessoirement, je propose de prendre Grunt et. On va éviter les trash talk. En gros, Mordine, déjà, tu dégages. Pas de Mordine avec nous. Parce que les galariens et les crogades. Zed, ouais, c'est comme les chiens et les chats. Je dis ça, mais à ce qui paraît, le foie de galarien, c'est bon. Donc, on va éviter. Bon, on va prendre Garus. Un Krogan et un Turien. Ça me rappelle le Mass Effect 1, ça. Best tank ever. Garus. Garus, on va te mettre des munitions perforantes. Ouais. Upgrade. Et Grunt, upgrade. T'as 3 points. 3 points, Grunt. Tir concussif. Grunt, tu me fais plaisir. Tir percussif niveau 3. Et nous, ben, 2 points. Les 2 points. Je propose de les garder. Je sais pas, pour l'onde. Pour. Je sais pas, soit de munitions incendiées. Ouais, pour l'onde de choc. Pour qu'on fasse encore un peu fusil à pompe, je crois que c'est le meilleur, celui-là, oui, c'est ça, parce que je m'en souviens. Ça, c'est de cette piste X-Bunk, le lance-vibrant, le lance-flamme. Et accessoirement, les gens, on fera une vidéo ultérieure pour vous... mettre au courant qu'il y aura des petits changements sur la... Au pire, on leur... Sur la chaîne. On garde ça pour la vidéo du 1er janvier, au pire. Ouais. Ah oui, et accessoirement, pour ceux qui regardent les Mass Effect... Oui, joyeux Noël, c'est vrai. Même s'il y a eu la vidéo GTA qui était faite pour ça, même si elle est arrivée... 3 jours en retard... Hein. J'y peux rien, c'était la première fois que je faisais ça. Ne me rendez pas. S'il vous plaît. Y a mété. Et accessoirement, si j'y ai pas été, c'est une parce que j'étais pris, et de deux parce que... En fait, la phase où t'y étais, les séquences où t'y étais, c'était dans la première vidéo que j'ai fait, soit où j'avais enregistré une session de 4 heures, et vu que la vidéo était trop longue, ça a bugué l'enregistrement avec la VR Media, donc c'est pour ça que vous le voyez pas. Bon, vous n'avez pas loupé grand chose. Hein. Non, vous avez juste raté. Je m'en souviens même plus. Chino qui. Vous avez raté Chino dans un 4x4 qui fait un super vol plané qui retombe comme un chat sur les roues et bah.
Bizarrement, après, il y a Charlie qui se ramène et qui explose le 4x4. On ne sait pas avec un coup pourquoi, de chaque fois qu'il lance-roquette. s'approche de quelque Culé. chose, ça explose. On n'a toujours pas découvert pourquoi. Viens. Ne jamais mettre un chino dans un véhicule. Je tire une batonne. Je suis Rambo, moi. Quand je quitte le véhicule, généralement, il explose. Sauf une moto. Les Y a un motos, truc que c'est je assez... comprends pas, depuis quand on a un fusil d'assaut de récolteur? Mardine, qu'est-ce que t'as fait encore avec la science? Combien de fois je t'ai dit de pas piller les cadavres? Méchant le bandit, méchant! Je sais pas, on a peut-être dû récupérer ça pendant une mission. On lui met? C'est Agarus. C'est lui, il a semé le rafale et il s'est mis. En auto. C'est un fusil d'assaut. Vas-y, essaye de lui mettre le récolteur. Ouais, voilà, on veut. Va tester, chers amis, va tester. On garde ton On sniper teste, parce on teste. que. C'est le gros bronc. Parce que bras de bébé. M300, un fusil à pompe lourd, Clébard. Et toi aussi, tu as ça? En bas. Ah oui, c'est vrai, c'est un fusil à pompe qui est fait exprès pour toi, mon petit Quentin. Ah oui, c'est vrai. On garde le lance-biberon ou tu veux, je sais pas, un lance-flamme, un thunder pistolet. Tu sais, le machin qui envoie des décharges électriques aux ennemis. En moyen d'un laser invisible à l'œil nu. Oh non, vas-y, fais chier. Je garde le lance-missile, gros. Surtout avec les Krogan. Moi, si j'ai envie de les assommer, Ouais, c'est bon. autant prendre un truc qui fait mal. Parce que là, mon vieux, ça va les chatouiller ici. C'est plus cher, ouais, tout le cas, je trouve. Faudrait penser à faire le ménage. Roger, arrête de t'amuser avec le ventilo, merde. Ça sert à rien de foutre ça dans le bac à sable. C'est un petit pas pour Shepard et c'est tout. C'est à toi qu'il faut. Si vous cherchez du travail, vous... Halte là, Alien. Vous êtes Shepard du Normandie? Ah, c'est toi qui me parles. Halte là, vous êtes Shepard du Normandie. Oh, tout, 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 tout. On ne bouge plus. Ça me rappelle une scène, si c'est celle-ci. Le chef du clan veut vous parler. Surveillez votre bête en rut. Qu'il passe le rite rapidement, ou bien on l'abattra. Le rite? Kizako. Vous savez ce qu'il a? Et comment arranger ça? Il n'a rien. Allez voir le chef du clan. Je peux te mettre un coup de boule? Je peux. Allez régler vos affaires avec le chef du clan et surveillez votre bête en rut. Il passe le rite. Vous savez ah ce non, a. Mais putain. Allez régler vos affaires avec le chef Méchant. du clan. Un jour, on partira de ce caillou pour aller casser du Turia. Il a dit bête en ouais, rut, hein, donc bien du coup. Dit. On leur arrache Oh! et ensuite on les Vous jettera faites en pas de mal bâtiment. au Turien, surtout pas au Garrus. Non, 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 non. L'un qui essaye de regarder de travers le Garrus, il va mal. Il va avoir un mauvais quart d'heure, je pense. Il doit avoir envie de se reproduire, en fait, notre. Ouais, sûrement. Notre Krogan. Généralement, quand tu dis que quelqu'un est en rite. Le chef du clan, parlez à Grunt. C'est ça la fabuleuse planète d'origine des Krogan. Les terres de Kradak, Chagur et Veol. Ce morceau de caillasse mérite à peine qu'on marche dessus. Si j'avais su qu'un jour. C'est un peu la ta planète d'origine me quand même. Je sais pas. Enfin, même si t'es pas né dessus, même si c'est la première fois que tu marches dessus.
Et je pense que ça va être une grande polémique dans ce putain de patelin. Halt, vous devez attendre que le chef du clan Halt, fasse vous appel. devez attendre que le chef du Il clan vous fasse appel. En tu sais ce qu'exige la tradition. Ignorant Le pour clan parler. Urnot doit réagir. Tes réformes ne feront pas l'unanimité. Tu cours le risque de paraître faible au plus mauvais Shepard. Moment. Vrex? Pas de cala, s'il te plaît. Excusez-moi. Shepard, ah, maman. Mon ami. Pas mon épaule, s'il te plaît. Vous avez l'air en forme pour un mort, Shepard. J'aurais dû me douter que le néant ne ouais, pourrait tu sais, pas deux vous retenir. Deux coups de tatane à la mort, et puis. Puis voilà, elle nous a lâchés, hein. Putain, t'es le boss, bravo! Rex, vous avez pas pour moi, Shepard. Pour tous pas les pour Krogan. Moi, Shepard. Pour le tous clan les Krogan. Urnot ah, n'est qu'un début. Quand j'aurai terminé, mon peuple oh. sera à nouveau uni. Tu as abandonné bien ah, je suis d'accord avec toi. Oh, par contre, tu baignes que tu veux que je commence à abandonner les plans. Ouais, oh tu n'as pas ton mot à dire, Uf. Voilà je ferai accéder ton clan à la gloire, que ça lui plaise ou non. Qu'est-ce qu'il y a? Sur ce, Shepard, qu'est-ce qui vous amène ah. ici? Que devient le Normandais? Il est un peu en morceaux, si je puis dire ainsi. Puis nous, on était... désintégré. Détruit pendant une attaque surprise des récolteurs. J'étais un peu sous pression, si tu J'ai vois ce que je veux dire. J'ai été éjecté dans l'espace. C'est bon. Comme quoi, c'est utile d'avoir un système nerveux de rechange. Ou pas, dans le cas des humains. Non. Alors, je n'aurais pas voulu être à votre place. En tout cas, vous voilà, et aux commandes d'un vaisseau flambant neuf. Ouais, on me l'a donné gratos. Ça me rappelle le bon vieux temps. Vous et moi, l'inconnu et des gros flingues. C'est vous fini. Et moi, l'inconnu et les gros et des gros flingues. Surtout les gros flingues. Désolé les gens, hein, si je réagis des fois un peu tardivement, mais j'ai pas les voix. S'il si y en a qui savent comment faire, je sais, ça fait longtemps qu'on pose cette question, mais s'il y en a qui savent comment faire, vous êtes la bienvenue, franchement. Ouais, parce que ça me casse les couilles, en fait. Tu sais pas de quoi souffre... Attends, déjà... Vous avez l'air bien décidé à réformer les Krogan. Nous constituons une zone neutre où tous les clans sont les bienvenus. Où tous peuvent partager les femelles fertiles. Nous allons renforcer toute notre race. Tu menaces tout ce qui fait notre force. Oui. Ça ne durera pas. Femelle fertile. Peut-être. Je croyais qu'il y avait dessus. D'ici là, estime-toi heureux d'en faire partie. Ça existe encore, les femelles fertiles? Je crois que la chance pour qu'une femelle soit fertile, c'est de 9 sur 10, je crois. Enfin, 1 sur 10 qu'elle soit fertile, je veux dire. Voilà, je préfère. Parce que 9 sur 10, good enough. Ce que je disais tout à l'heure, je suis d'accord avec Grunt. S'il faut abandonner quelques traditions du peuple pour améliorer bah, justement ce peuple, autant le faire, franchement. Ça peut être que bénéfique, à mon avis. Par contre, le pistolet qu'il a à l'arrière du ouais, dans le dos, vrai. C'est moche. C'est... On dit... Yerk. Ça me fait penser à un morceau de viande qui serait périmé. Tiens, je t'ai apporté un steak, ouais, voilà, un peu pourri, fais gaffe. Oui. Bref, faut peut-être se remettre dans la. Pourquoi ça en a une haine? Pourquoi cette ségrégation? Partagez vos femmes. Comment avance votre plan? Pourquoi cette ségrégation? Vous conservez les rênes? Comment vous faites pour assurer la sécurité avec tant de clans au même endroit? N'importe quel clan disposé à rapatrier ses otages peut nous rejoindre. Pas de combat dans le camp. Chaque clan punit ses propres criminels. Nous mettons fin au conflit avant qu'il y ait des morts.
Ensuite, les factions en présence ont un choix simple. Payer. C'est moi ou vrai que c'est le seul à être assez expulsé. Eux étaient assez intelligent pour avoir fait une. Ça a l'air d'être le seul. Une Suisse Krogan en fait. Ouais, ouais. Non, mais c'est littéralement ça. Ça paraît sensé. Compte tenu des habitudes Krogan, les Krogan ils sont plutôt du genre. Les alliés des autres clans. Un pigeon veut. Ils contribuent à éliminer. Moi, frapper tout. Beaucoup ont besoin d'un exutoire. À chaque fois que j'ai ostracisé un clan, mes alliés. Krogan. Oui. Au moins lui, il a pas pété une vitre. L'effet est dissuasif. Enfin, vrai que ça a pas pété une vitre. Pourquoi cette ségrégation ? Bon, on a compris. Parce que si vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes vraiment... Vous faites attention à ce qui est dit et franchement, c'est facile à deviner. En gros, unification de tous les Krogan. Ils n'auraient pas assez plus de temps sur la vidéo, plus d'argent, bref. Tant pis. Je vais partager. Partagez vos femmes normales, parce que une chance sur 10 La sécurité de la zone neutre encourage les autres. À la peine de pointer le fusil à pompe, je le vois d'ici. Aujourd'hui, les attaques que subissent les Urnotes mettent en danger les femelles de tous les clans. Même ceux qui souhaitent ma mort sont prêts à défendre le clan Urnotes. Ouais. En gros, c'est ce que j'ai dit, quoi. Comment avance votre plan ? Ça m'a l'air très ambitieux. Quel résultat jusqu'ici ? Meilleur que mes craintes, pire que mes espérances. Ça ne peut pas continuer. Tu vas à l'encontre de tout ce qui fait notre force. Tu permets que je foute un coup de boule à ton pote ? Grunt ? T'as encore envie de frapper ? Il y a le Garvis qui est en train de nous regarder là. Toi, tu vas pas faire. Non, mais c'est. Ouais, non, mais le pire, c'est Grunt. Hein. Regarde le regard de Grunt. Pas taper. Grunt, il est là en mode. Toi. Toi, je te retiens. Si on te passe devant, je te fous une patate en passant. Bref, venons-en au fait. J'espère que vos méthodes porteront leurs fruits. Mais revenons-en au motif de ma venue. Il est rare qu'on laisse les aliens venir traiter sur toute Shanka, mais... Il n'y a pas de problème pour Garrus, j'espère, puisque... On va pas le faire, c'est... Bah, il est là... Non, Garrus, il était là. Non, mais tu sais que tout à l'heure, il y en a qui ont dit « Faites gaffe aux Turiens » ou je sais plus trop, quoi. Ouais, mais à mon avis, si Vrax, s'il y a un problème avec Garrus et... Et puis à mon avis, vu que c'est le chef, et connaissant les Krogan, il a dû être le chef par la force. Donc je pense pas qu'on ait envie d'être contre lui. Ouais, voilà, il a dû en fracasser quelques têtes, hein, bref. Bon, de quoi souffre notre petit Grunt ? J'ai un Krogan dans mon commando. Il a quelque chose comme une maladie à guérir. Pas taper, s'il te plaît. D'où viens-tu, petit ? Ton clan a été détruit avant de t'indiquer ce qu'il attend de toi ? Je n'ai pas de clan. J'ai été élevé en cuve par le chef de guerre Okir, des sangs mêlés de Kredak, Moreau, Chadur. Ouais. Tu débites les noms, mais tu es l'enfant d'une seringue. Je suis un Krogan pur. Tu devrais t'émerveiller. Okir est un nom très ancien. Un nom qui suscite beaucoup de haine. Il est mort à Robeck. Il est mort. Bien sûr. Tu es avec Shepard. Comment pourrait-il être en vie ? Bien sûr, tu es avec Shepard. Comment pourrait-il être en vie ? Ah putain, oh non la vache, on se fait trash talk, je fais pas un putain de Krogan. Ça change que tu penses. Vrax, ce nom vous dit quelque chose ?
C'est celui d'un chef de guerre brutal qui a causé bien des morts, et qui, à ce que je vois, a trempé dans la génétique. C'est son clone qui entreprend le rite. Comment par contre, j'aime bien le design de l'armure de Yvette. Cette opération à l'âge adulte. Ah, tu vas trop loin. Il n'en a pas. Il devient un adulte à part entière. Il fait sa crise d'ado. On peut pas juste l'emmener voir les gogo danseuses sur Omega. Qu'importe les noms des aliens. Les Krogan. On peut pas l'emmener sur crise d'adolescence. On pouvoir, mais cette aberration. Ah, d'accord. Idiot. Alors, Grunt, tu souhaites devenir Urnot? C'est à lui de voir. Ouais. C'est à lui de décider. J'ai ça dans mes veines. J'ai été conçu pour ça. Bien dit. Parle. Il le trouvera au deuxième niveau. Impressionne-le et il te mettra sur la voie. Tu le trouveras au deuxième niveau. Impressionne-le et il te mettra sur la voie. Vous aussi, Shepard. Faut vraiment que je te dise le nombre exact. Dans le pétrin pour votre équipage. Ça dit de venir ? On sait jamais. Ouais, vas-y. Ça me fait plaisir de vous revoir, Vrex. Vous ne voulez vraiment pas nous suivre ? Ouais, c'est bon. J'aimerais bien. Mais je dois mettre ces idiots. Oh, toc. Bonne chasse, Shepard. Je dois mettre ces idiots. La chasse, elle est bonne. Il m'éclate. Il m'éclate, ça, mec. T'as vu le flash spécial sur Extranet ? Ce truc va te ramollir le cerveau. Tu devrais plutôt chasser ou au moins réparer. À tes souhaits. Tiens, voilà le truc que je vais tuer. Et merde. Non, vous voulez pas parler ? Tu vas trop loin, Gatatog Uvenk. Les rites des Urnot ont préséance. Qu'est-ce qui nous dit qu'il acceptera de l'affronter ? Il est anormal. Les créatures du rite pourraient n'y voir qu'un morceau de plastique. Elles reconnaissent le sang et non la naissance. Tes jappements n'incitent pas à prendre ton parti. Je veux parler en mon nom. Voilà donc le fils de la cuve. Très ressemblant. Même l'odeur est réaliste. Tes protestations n'ont pas lieu d'être, Uvenk. Assez parlé. Bon. Il ose s'opposer à Grunt. Cet idiot a beau dire tout ce qu'il veut, Grunt est en droit d'être ici. Quelle parole pleine de fougue! Et de la part d'un étranger qui peut. Que je fasse de Vrex? Dommage qu'elle soit adressée à de jeunes chiots. Si vous envisagez un rituel, j'exerce mon droit de veto. Ouais, voilà. Plus de fois que Grunt, on l'a déjà fait, hein, on l'a déjà trash talk. La patience est mise à rude épreuve. Mais Uvenk est dans son droit. Grunt, qui est ton crank? Ton groupe d'alliés prêt à tuer les types, ça compte? Qui c'est qui? Nous soutenons Grunt en tant que camarade et compagnon de bord. Il y a là une différence. Mais je pardonne aux étrangers leur interprétation simpliste. Les étrangers ne connaissent pas la route. Mon crâne est composé de vrais Krogan. Comme ici, je l'attendais celle-ci. Pshhh. Oh. Comment osez-vous? Bah, cet humain me plaît. Il comprend notre voix. Oh bah vas-y, amène-toi. Vas-y. On t'attend. Vous les avez provoqués. C'est assez pour que je vous apprécie. Ouais, t'inquiète. C'est votre problème à présent. Que doit-on emporter? Ils font quoi? Ouais, voilà, que doit-on emporter? Il nous faut un équipement spécial.
Pour entamer le rite, seul le candidat et son Krantz sont nécessaires. Vous aimez le combat, n'est-ce pas, Shepard? Le dernier râle de l'adversaire mourant. Mettez votre amour du combat au service. Bon, quand même pas le buter jusqu'à la mort, ça mais... Ça dépend, en fait, de la situation. En clair, faut buter des machins, si j'ai bien compris. Passons. Le battle en piste. On est prêt. En piste. Parfait. Je tiens à préciser qu'heureusement qu'on n'est pas sur PS3 puisque putain les temps de chargement. Bon, c'est pas pire que ceux de Skyrim. La même équipe. Bah ouais, sachant que ça va être en extérieur. On garde. Autant prendre un sniper. On garde le même marteau. Que ça fasse des. Ah oui, le fusil d'assaut. On aurait peut-être dû enlever. Au pire, il y aura aux pompes. Connard de flingue dégueulasse. De toute façon, Grun, soit c'est aux pompes, soit c'est au cac, donc.